La mort, la souillure, le sexe, l'excrément étaient les thèmes privilégiés de Jean-Louis Trévis il y a 10 ans. Cette série de dessins à la plume a un aspect violent, non pas tant par la technique qui reste sage et classique, mais par ses sujets. Ils sont traités dans un espace graphique organisé, discipliné même. Les noirs, les gris ont des rapports intimes, parfois précieux. Mais ce constat visuel ne dure que le temps d'un clin d'œil, car soudain, vous voyez les dessins dans leur entier. Il en émane une vision de saccage. Des corps mutilés sont figés dans des attitudes cataleptiques. Un monde absurde se meut, qui paraît sans souffle, sans vie. C'est une vision destructrice qu'il rejette à présent. Mais alors, après ce constat, pourquoi avoir montré ces dessins? Eh bien, il est parfois nécessaire de montrer ces cheminements pour mieux les assumer, les oublier, voire les détruire. Le misérabilisme mystique l'avait entraîné dans une impasse qui l'a conduit au reniement des formes esthétiques qui étaient alors les siennes. Dans cet autoportrait, vous semblez avoir la tête plongée dans des draperies mystérieuses qui s'agitent silencieusement, tordues par les ouragans d'un autre monde. Sans esquisse préalable, les éléments plastiques qui composent ces petites boîtes mises sous verre sont le fruit d'un imaginaire intérieur qui se veut libre de toute référence au réel. Ces encres et aquarelles sont de petite taille. Elles font partie d'un projet difficile à réaliser, pour l'heure, de grande tapisserie.
L'espace est pris dans l'échange du dehors et du dedans, de l'intérieur et de l'extérieur, de la limite et de l'infini. Dialectique complexe qu'il conviendrait de soumettre à l'analyse. Parfois, la transparence du verre fait illusion. De légères brisures sont le signe de l'illusion. Souvent, la boîte est lisse. Elle est rigueur dans la présentation, dans l'encadrement. Le cadre limite l'œuvre. Elle la clôture comme un cerne. Le cadre devient œuvre. Un ascétisme fait de sensualité contenue a remplacé le lyrisme des dessins revus et corrigés.